et demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le billet de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Franz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée aux haïts? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Dans l'actualité de ce mardi, la notabilité de l'Équateur, unie comme un seul homme, veut donner à la province un gouverneur aux attentes de la population. Tous les 25 candidats à ce poste se sont retrouvés ce mardi à Kinshasa pour une réunion de prise de contact. La décision de la Conférence épiscopale nationale du Congo interdisant les ecclésiastiques à briguer le poste au bureau de la CENI, renouvée et saluée partout. Les Quinois interrogés demandent aux consacrés de s'occuper de leurs fidèles. Enfin, le monde célèbre ce 14 mai la journée de lutte contre l'hypertension, une occasion pour sensibiliser la population à la prévention. Et demain, la journée sera consacrée à la famille. Vous suivrez le message de la ministre du Genre dans ce journal. Bonsoir. Tout d'abord, le président de la République vient de créer un mécanisme de suivi de l'accord cadre signé à Addis Abeba. Ce mécanisme est composé de trois comités, à savoir pilotage, exécutif et consultatif. Ce comité de pilotage sera présidé par le président de la République. Le premier ministre en est le vice-président. Les membres de ce comité sont les ministres des Affaires étrangères, de la Défense nationale, de l'Intérieur, de la Justice, du Budget et des Finances. Ce comité est créé pour une durée d'une année. Au lendemain de la publication par le bureau de la CENI de la liste des candidats au poste de gouverneur de l'Équateur, tous les 25 retenus ont été présentés devant la notabilité de cette province vivant à Kinshasa. Il était question pour chacun de se faire connaître et présenter sa vision pour l'Équateur. Au nombre de ces candidats, Dieudonné Wabi, qui tient à donner une autre image à cette province. Cette rencontre a eu lieu à Roméo Golf, dans la commune de la Gombe, nous dit Oscar Bakandoa et Cédric Indimbo. Au lendemain de la publication de la liste des candidats gouverneurs de l'Équateur, 25 au total, la notabilité de cette province a voulu, par cette rencontre, de prise de contact, voir les prétendants à ce poste. Une rencontre d'une grande importance, car chacun devait faire connaissance avec cette notabilité. Parmi eux, Dieudonné Wabi Ituta Bompoké. Ce qui m'a poussé à me présenter personnellement en tant qu'indépendant, c'est la situation d'extrême pauvreté dans laquelle se trouve la province de l'Équateur. Nous avons analysé la situation depuis plusieurs mois. Nous avons fait appel, notamment dans le cadre de la Fondation Wabi, aux experts, aux agro-économistes européens qui sont venus. Nous avons étudié la situation. Quelles sont les priorités pour développer la province de l'Équateur? Dieudonné Wabi est précis. Le nouveau plan Marshall pour sortir la province de l'Équateur de la pauvreté en 7 ans. Évidemment, nous n'allons pas révéler tout aujourd'hui parce que ce n'est pas encore la campagne électorale. Mais une conclusion s'impose, c'est qu'on ne peut pas sortir cette province de la pauvreté sans un exécutif, sans un parlement, sans des institutions fiables et responsables. Parce que pour que les investisseurs viennent chez vous, il faut un minimum de sécurité juridique. Étant acteur politique, étant aussi le milieu politique, ayant les compétences, la détermination, la volonté et une vision claire, nous nous sommes dit, nous allons nous lancer, mais dans un état d'esprit de cohésion. En attendant le sprint final pour le gouvernorat de l'Équateur, un comité spécial est à l'œuvre pour mettre tout le monde d'accord
pour un ticket en faveur du développement intégral de la province de l'Équateur. Le mouvement social pour le renouveau s'insurge contre le comportement irresponsable de certains acteurs politiques en mal de positionnement. Ce parti politique de la majorité n'a pas tardé à réagir sur ce qu'il considère comme des contre-vérités qui font état de liens entre l'abbé Malumalu et le MSR. Dans une déclaration politique rendue publique ce mardi, le MSR condamne ce mensonge grossier et appelle le peuple congolais à demeurer serein et à maintenir la confiance en ce parti politique. On écoute Laurent Simo Ikenge, porte-parole du MSR, au micro de Jimmy Amogo. Le mouvement social pour le renouveau est surpris d'apprendre que certains acteurs politiques, désabusés et mal de positionnement, soutiennent que M. l'abbé Apollinaire Malumalu serait membre du MSR, de surcroît, coordonnateur provincial de ce parti au Nord Kivu, et qu'il serait chargé de recruter des candidats à la députation pour les comptes du mouvement social pour le renouveau, au point de prétendre que son éventuelle désignation à la CENI s'efface dans le cadre de la composante majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Le MSR tient à préciser à l'attention des uns et des autres ce qui suit. Le MSR appartient bel et bien à la composante majorité dont il constitue la deuxième force politique de tous les temps. Le MSR est demeuré respectueux des principes et de la discipline interne de sa famille politique. Le MSR n'a jamais voulu interférer dans l'organisation et le fonctionnement des autres partis et structures politiques. Fort de son poids politique, le MSR entend participer des droits dans la mise en place des organes centraux de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, pour y apporter toute son expertise. Le MSR n'a pas besoin d'utiliser des superfiches pour s'octroyer un poste indu, encore moins sous le labeur d'une autre composante. Le MSR affirme, la main sur le cœur, que le révérend abbé Apollinaire Malumalu n'est pas et n'a jamais été membre du mouvement social pour le renouveau, ni d'une de ses composantes ou structures affiliées. Le MSR met au défi tout acteur politique de lui en prouver le contraire. Je vous le disais en titre, aucun ecclésiastique n'est autorisé à se présenter comme candidat au bureau de la Commission électorale nationale indépendante. La décision émane de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Elle a été annoncée hier, lundi, au cours d'une conférence de presse au centre interdiocésain dans la commune de la Gombe. Une décision soutenue par les Kinois, du moins pour ceux qui ont été interrogés par nos reporters sur l'opportunité d'une telle décision, alors que tout le monde se bouscule pour avoir une place au sein de cette institution. On les écoute sur ces propos recueillis par Fortuna Kabeya, Brunel Lufungula et Laïn Badjoko. Est-ce qu'il faut toujours donner à la tête de la CENI toujours des prêtres, des serviteurs de Dieu qui ont fait déjà preuve de leur conscience? Je ne pense pas. C'est peut-être à cet aspect que l'Église ne voudrait pas qu'un prêtre soit encore à la tête de la CENI, à mon point de vue. Je trouve que si l'Église a décidé de ne pas participer, c'était une bonne chose. Comme ça, on verra comment les autres entrées peuvent s'organiser. J'estime que l'Église catholique doit avoir des raisons sérieuses et des raisons fondées qui l'ont amené à prendre cette position-là. Donc, pour ce qui me concerne, je respecte leur décision. L'Église lui-même a avis, et selon lui que non, c'est bon de ne plus encore s'engager. Elle sait le pourquoi. Parce que l'Église catholique, en réalité, c'est une institution bien organisée. Vu qu'au Congo, on ne respecte pas le principe, vu que des problèmes qui s'ajoutent du jour au jour, c'est pourquoi l'Église catholique a dit on ne respecte pas le principe souvent,
dans votre pays, inutile d'y aller. La CENI allait être composée de la société civile, puisque société civile est neutre. La CENI est sous-produit de la société civile. Les ecclésiastiques ne sont pas autorisés à se mêler dans la course pour le futur bureau de la Commission électorale nationale indépendante. La SENCO l'a annoncé lors d'une mise au point à Kinshasa. Les observateurs avertis voient dans cette décision de l'Église catholique une façon d'éviter aux prêtres et autres religieux de se bousculer au portillon de cette institution d'appui à la démocratie. Voici à ce sujet ce commentaire de la rédaction avec Oscar Bakandoa. La Conférence épiscopale nationale du Congo précise qu'elle n'a pas présenté un ecclésiastique pour briguer le fauteuil présidentiel de la Commission électorale nationale indépendante. La loi canonique, rappelle la SENCO, soulève l'incompatibilité de la participation des ecclésiastiques dans une affaire politicienne. Ainsi, un ecclésiastique qui s'engagera dans ce genre d'aventure marchera à l'encontre des dispositions canoniques du code légal qui conduit l'Église catholique, mais aussi ramera à contre-courant de la position commune des évêques qui, dans leur déclaration du 10 décembre 2010, avaient mis une ligne rouge quant à la participation active des ecclésiastiques aux associations à caractère politique, ainsi qu'à la direction des institutions étatiques, quel qu'en soit le niveau, chargé d'organiser les élections en République démocratique du Congo. Prêtres, religieux et religieuses qui n'ignorent nullement ces dispositions sont donc rappelés à l'ordre pour ne pas céder à la tentation. Énerver les dispositions de la loi canonique et les évêques, c'est faire un pas en avant vers la désertion dans une famille qui donne la mission aux ecclésiastiques de travailler à la communion de tous les hommes et de toutes les femmes en Jésus-Christ, au-delà de tous les clivages politiques et idéologiques. Ici, la vocation, c'est d'être l'Église au milieu du village. Avant cette mise au point de la SENCO, plusieurs sources s'est déployées sur le retour pressenti de l'abbé Apollinaire Malumalu à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Même la crédible agence belge Belga n'en doutait presque plus. Simple rumeur ou secret des polichinelles de la résolution issue du conclave des membres de la sous-composante confession religieuse, ce qui est sûr, le non-retour pour l'ancien président de la CEI est décrété. Sera-t-il un renégat ou va-t-il se plier? Ce n'est qu'une question des jours pour le savoir. La seconde lecture à faire de la mise au point de la SENCO, c'est la description d'une CENI politique, ce qui énerve par ricochet la Constitution de la République qui, elle, veut plutôt une institution technique et citoyenne. C'est donc à une source des prédateurs acharnés du pouvoir de l'État que l'Église interdit ses membres ecclésiastiques de goûter. Seuls les laïcs chrétiens catholiques peuvent faire pièce à cette CENI remodelée, mais qui garde son caractère politique. Pas de confusion. Le débat est clos sur la question orale avec débat adressé au ministre des ITPR sur la société Ingitech. Fridolin Kasushi Moussoka a éclairé la représentation nationale sur ce dossier qui a failli faire perdre à la République de l'argent à cause des faux en écriture. L'auteur de cette question a, dans sa conclusion, sollicité la mise en place d'une commission parlementaire pour faire la lumière sur ce dossier. Serge Kouété, Jémy Mamogo et Blanchard Candolo. Il a répondu aux préoccupations des élus du peuple. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction n'a esquivé à aucune question sur toutes celles qui lui ont été adressées par les députés. De l'utilisation du budget d'investissement alloué aux provinces et entités territoriales décentralisées jusqu'au dossier de l'entreprise Angetech qui a failli encaisser indûment de l'argent sur le compte du Trésor public. Fridolin Kasueshi ne jure que sur un faux commis en écriture. Pour ma part, je tiens à ce que les actions qui doivent concourir à établir la vérité soient menées très rapidement et de manière à mettre hors d'état de nuire toutes les personnes impliquées dans ces fraudes, tout en sachant que la lutte contre la fraude est une lutte permanente et cela doit aussi être une interpellation pour tous les Congolais afin qu'ils puissent contribuer à ces genres de luttes de manière à permettre à ce que les ressources de l'État, les ressources
de notre pays pour servir là où elles sont destinées. Fridolin Kasuechi est largement revenu sur l'affectation des ressources budgétaires destinées aux investissements des provinces et entités territoriales décentralisées. À ce propos, je voudrais rappeler à l'attention de l'Auguste Assemblée que j'avais bien dit que les montants évoqués la dernière fois constituaient les coûts globaux des contrats et que les travaux prévus dans ce programme de voirie des provinces devraient s'exécuter en 2 ou 3 ans. À l'issue de cette réplique, l'auteur de la question sollicite que l'Assemblée nationale diligente une enquête afin de recueillir des plus amples informations sur le dossier de l'entreprise Angetech. Tous les fonctionnaires de l'intérieur du pays seront payés par voie bancaire à partir de ce mois de mai. Plus de 240 000 fonctionnaires sont concernés par cette opération. Des dispositions sont déjà prises par l'Association congolaise des banques pour atteindre tous ces fonctionnaires, même dans l'arrière-pays. Jemi Mwamogo. Un pari gagné pour le gouvernement congolais. Plus de 240 000 enseignants sont payés pour le mois de mai dans les territoires et localités par voie bancaire. À cette occasion, le président de l'Association congolaise des banques confirme avoir augmenté de 50% ce chiffre dans toutes les provinces du pays et dans les villes secondaires. Le gouvernement ayant confié la coordination de ce programme à la vice-primature, le ministre Moukoko nous a appelés pour nous assurer que les moyens et les acteurs seront bien positionnés et que tout se passera au mieux. Là, on nous demande d'augmenter de 50% ce chiffre avec 243 980 exactement fonctionnaires, avec la particularité qu'ils sont situés dans des localités en dehors des grands centres urbains. Ce qui est sûr, a laissé entendre Michel Osembe, les banques vont d'abord fonctionner là où elles ont des agences. Donc la première étape, c'est d'utiliser les guichets existants. La deuxième étape, plusieurs banques ont contracté des partenariats avec les opérateurs de téléphonie mobile qui ont ouvert ce qu'on appelle le mobile banking, donc la banque par téléphonie mobile, qui eux ont besoin de moins d'infrastructures. Et partout où il y a une couverture de réseau GSM, chacun des trois partenaires, donc Vodacash, Airtel Money et Tigo Cash opèrent, dès qu'il y a du réseau, on les utilise pour aller là où les banques en direct ne peuvent pas aller. Des stratégies ont été arrêtées avec des banques pour une paye assurée dans les meilleures conditions. Dans ces contrées, les banques vont assurer la paye grâce à des guichets mobiles. D'où, les banques vont continuer à collaborer avec Caritas, des paroisses, des diocèses qui pourraient aussi être mises à contribution. L'Union africaine est déterminée à accompagner la République démocratique du Congo dans la recherche d'une paix durable. Cette délégation, composée de 15 ambassadeurs, a été reçue en audience ce mardi par le chef du gouvernement, Matata Ponyo, a dû donner des informations au sujet de la situation sécuritaire dans l'est du pays et permettre ainsi à ces derniers d'en discuter au Conseil de sécurité des Nations Unies. Doudou Ndombe. Ils sont venus s'enquérir de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et aussi se doter à la source des informations précises sur cette situation en vue d'avoir un argumentaire à soumettre au Conseil de sécurité des Nations Unies. Au cours de ce face-à-face, le Premier ministre Matata Ponyo a donné des informations nécessaires sur les atrocités perpétrées dans la partie orientale commises par les groupes armés. L'Union africaine veut imprimer une volonté pour aider la RDC à y mettre fin. Oui, on a parlé surtout sur la situation au Congo, à la République démocratique du Congo, surtout à l'est de la République démocratique du Congo. Et on a discuté la possibilité de faire progresser le processus de paix. C'est surtout sur ces, parce que le Conseil de paix et de sécurité va se pencher sur la situation au Congo, se penche sur la situation au Congo depuis longtemps. Et donc, il faut savoir plus sur la situation, comment est-ce que ça marche ici. C'est pour cela qu'on est venu ici. C'était surtout en donnant des informations. C'est le propos de notre visite ici. Le message est donc passé, il ne reste qu'à voir la suite des événements.
Une bonne nouvelle pour les gourmands. La gastronomie congolaise est au centre de la première édition du Festival panafricain des grillades qui se tient depuis ce mardi à Kinshasa. Les délégués venus de 10 pays africains vont à travers leurs grilleurs satisfaire les appétits des participants à cette grande rencontre. L'annonce de cet événement a été faite au cours d'une conférence de presse animée par les organisateurs au Grand Hôtel Kinshasa, Marianne Boya. Dieu merci Sueka pour le reportage. Pour une première, le Festival de grillades de Kinshasa 2013 devrait tenir ses promesses. Awa Ogui et Yasmine Joachim, deux Africaines, envisagent à travers cette journée internationale d'unité, créer une opportunité annuelle de rencontres entre les pays. C'est aussi l'occasion donnée à chaque grilleur de faire valoir son savoir-faire autour des boissons et mets locaux, mais aussi de la musique et hymnes nationaux. L'une des organisatrices de ces rendez-vous en explique les objectifs. C'est de réunir toutes les populations vivant ici au Congo, que ce soit les Congolais, mais les communautés expatriées vivant ici. Donc je profite de vos caméras et de vos micros pour inviter toutes les communautés diaspora ouest-africaines vivant ici, mais aussi les centrafricains, aussi l'Afrique de l'Est et tout le monde. Ce festival des grillades de Kinshasa a choisi pour sa première édition de venir en aide au lycée technique et professionnel de Matongé, option hôtellerie et restauration, afin de promouvoir l'apprentissage dans les domaines gastronomiques. Le monde entier célèbre chaque 14 mai la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle. Son but est de communiquer au public les complications médicales de cette maladie et prendre des précautions. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 1 milliard de personnes souffrent d'hypertension dans le monde. En République démocratique du Congo, la pauvreté et les stress sont considérés comme les causes majeures de cette maladie. Michael Bakemba et bienvenue Kassa. Oubliée par le patient, l'hypertension artérielle peut entraîner des complications très graves. Il s'agit, indiquent les spécialistes, des infarctus, des attaques cérébrales. Lorsque la force du sang contre les parois des vaisseaux sanguins est trop élevée, l'hypertension peut endommager des organes vitaux comme le cœur, le cerveau ou les reins. Cette pathologie dont les origines sont ignorées par la population. Les grands problèmes, c'est quoi? Il y a l'impaiement dans notre pays, il n'y a pas de boulot. C'est ce qui fait que nous souffrons de l'hypertension. Selon les statistiques de l'OMS, 1 milliard de personnes souffrent de l'hypertension dans le monde. Le docteur Léon Mukendi, médecin à la clinique OSD, insiste sur les causes de cette maladie avant d'en proposer les pistes de prise en charge. Il y a deux types. Il y a l'hypertension primaire et l'hypertension secondaire. Primaire, c'est ce qui est idiopathique ou essentiel. C'est là où on regorge une grande population, c'est-à-dire 80-90%. Mais pour l'hypertension secondaire, secondaire à quoi? C'est secondaire à une notion. La moindre des choses, on doit faire l'examen physique. Et par après, il y a aussi des examens complémentaires qu'on doit faire. Et comment traiter un hypertendu? Le traitement, soit on utilise les diurétiques, soit on utilise les anti-adrénergiques, soit les vasodilatateurs ou inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. D'après toujours l'OMS, dès 2025, à cause du vieillissement de la population et de l'évolution de modes de vie qui favorisent l'obésité et la sédentarité, le monde comptera 1,5 milliard de malades. La RDC n'est pas épargnée par ce phénomène. D'une célébration à une autre, c'est demain que la famille sera à l'honneur à travers le monde. Promouvoir l'intégration sociale et la solidarité entre générations, c'est le thème retenu pour cette année. Dans son discours de circonstance, la ministre du Genre, Famille et Enfants rappelle le défi du gouvernement à promouvoir la protection et la stabilité de la famille. Voici un extrait de son message choisi par Jim Mamogo. Le gouvernement s'investit avec le concours de la société civile et des partenaires dans la mise en œuvre de la stratégie nationale genre des luttes contre la mortalité maternelle et infantile et des protections de la stabilité de la famille. En outre, le gouvernement vient de transmettre au Parlement
le projet de révision du Code de la famille et continue à assurer la protection des droits des veuves et des orphelins, ainsi que la sensibilisation pour le changement de comportement. S'agissant du thème de l'édition 2013 de cette journée, à savoir promouvoir l'intégration sociale et la solidarité entre les générations, il tombe à point nommé car, face à la guerre et les conséquences qui en découlent, nous sommes en plein exercice d'intégration sociale des groupes vulnérables, notamment les femmes violées, les veuves, les orphelins, les personnes vivant avec handicap, les filles mères. Adam Camille, père de l'épouse du chef de l'État, a été inhumé dans sa terre natale, dans le Nord Kivu, tel que lui-même le souhaitait. L'épouse du chef de l'État était présente aux obsèques en compagnie de tous les membres de sa famille. Reportage. Les obsèques du beau-père de la première dame de la République auront suivi à la lettre la volonté ultime du défunt. Mort et incinéré en Belgique, les cendres de Camille Adam, après Kinshasa, sont arrivées à Goma. C'est avec un cœur serré, l'urne cinéraire en main, Marie-Olive Lembe Kabila, suivie de sa mère Léonie Kassembe, veuve de papa Adam Camille, à la tête d'une forte délégation, sont arrivées à Goma le jeudi 9 mai pour accomplir les derniers vœux de l'illustre disparu, celui de voir ses cendres se mêler pour l'éternité à la terre du Kivu. Léonie Kassembe, ses filles et ses fils vont exécuter la dernière volonté du défunt, répandre ses cendres à tour de rôle dans cette tombe. L'oraison funèbre de sa famille se résume en « Papa, nous ne t'oublierons jamais ». Et pour être plus complet dans l'actualité, nous allons suivre la revue de presse qui porte la signature de Jemima Mogo. L'ombre de Malumalu plane à la Nouvelle-Séni, le M23 prépare la nouvelle guerre dans l'Est, le développement du secteur agricole en RDC, autant de sujets qui font la une des journaux parus ce matin à Kinshasa. L'objectif écrit en sa manchette, l'ombre de Malumalu plane à la Nouvelle-Séni. Le confrère rapporte que cette fois, les membres de la société civile, sa candidature n'aurait pas été entérinée par ses pairs de la composante confession religieuse. Et les autres membres de la société civile se sont dit surpris par cette annonce parue dans une dépêche publiée de nuit par l'agence de presse belge. Abbé Malumalu, neutralité douteuse, fait savoir le phare. Selon Le Quotidien, ce serviteur de Dieu revient au devant de la scène comme virtuel numéro 1 du bureau de cette institution, alors qu'on en est encore qu'au stade des formalités de désignation des différentes composantes. À cause de son manque de neutralité, poursuit le journal, Kinshasa avait connu sa première guerre post-électorale entre les armées de deux candidats à la présidentielle en août 2006. Prêtres religieux et religieuses écartés, titre La Prospérité. Le Quotidien renseigne que l'interdiction de l'Église catholique est motivée par l'incompatibilité qui existe entre leur mission, celle de travailler à la communion des hommes au-delà de tout clivage politique et idéologique, et les charges à exercer au sein de ces institutions politiques. Cependant, elle précise que seule l'autorité ecclésiastique compétente peut à certaines conditions déroger à cette interdiction. Le M23 prépare la nouvelle guerre dans l'Est, fait savoir le palmarès. Le tabloïd confirme que selon un document hebdomadaire de la MONUSCO, les défections au sein du M23 se sont accrues à tous les niveaux de commandement de ce groupe d'insurgés et ajoute aussi que plusieurs cas de violation de droits de l'homme et de pillage commis sont signalés. Dans l'entretemps, poursuit le journal, le Rwanda, le Burundi et la RDC souhaitent créer une cour de justice pour juger les auteurs des crimes dans la région des Grands Lacs. Le gouvernement fustige le renforcement des positions du M23 à Kibati, Kaunga et Kanyarushinya, titre L'Avenir. Selon Le Quotidien, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a fait état du renforcement des positions du M23 ainsi que la poursuite du recrutement des mineurs par ce groupe armé. Il en a en outre signalé des désertions au sein du M23. Et pour conclure, SNEL et ZESCO engagent 3 milliards de dollars américains pour produire 1400 MW au Katanga, rapporte Le Potentiel.
Le quotidien confirme qu'une centrale hydroélectrique va être construite sur la rivière Luapula à la frontière entre la RDC et la Zambie. Résultat d'un accord conclu en début de semaine entre la SNEL de la RDC et la ZESCO de la Zambie pour pallier le déficit en énergie électrique dans la province du Katanga. Capacité de production 1400 MW à raison de 700 MW pour chaque partie. Durée du projet 3 ans. Et c'est tout pour cette revue de presse. Anita Luambo. Merci Jenny Mamogo pour cette revue de presse. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Surtout ne zappez pas. Au revoir. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.